Quelle est belle cette porte. Salut les amis et bienvenue sur frappestesjeux.fr. On se retrouve pour la suite de Saints Row 4 avec E.T. comme d'habitude. Salut. Ça va E.T.? Ma foi, plutôt bien, et toi? Très très bien, mais tu cours super vite, dis donc. Quoi qu'on casse. Et toi, tu sautes super haut. Presque de simultané. Ah, presque. On est presque connectés, donc. Alors, on va continuer les quêtes principales, c'est ça? Exactement, donc nous avons une quête de Kinsey, et malheureusement en fait il faut savoir que ce jeu, ce Saints Row, va se baser plusieurs fois sur des activités annexes pour faire des quêtes principales. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Lancez la mission coop. Ah, on va pirater des magasins donc. Oui, activité que nous avions déjà fait auparavant, il me semble. I think it'd be best to start at Planet Zin. If I'm taking a store back from Zinyak, I want the one with his ugly face on it. Okay, good point. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai oublié de changer de vêtements. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que j'y pensais pas non plus. So you should be able to hack it from right outside the door. Kinsey's job is easy. Merde. Il s'est passé quoi là? J'ai pas suivi. Bah en fait, j'ai détruit une statue au-dessus. Ah, d'accord. And this will happen every time. Moi, je vais montrer un truc trop stylé. On court vers un ennemi et boum. Thank you. Now it's time to beat feet. No wait, don't. I want to see how their reaction protocols work. Oh sure, cause it's me getting shot at. Wine. Oh punaise. Ah, les attaques du corps à corps. Ah mais non, faut pas pirater le magasin là. Non, faut simplement les attaquer. Pensant, on a déclenché une alarme en fait. Moi je fais les attaques de corps à corps, je trouve ça trop stylé. Vas-y, on déglingue les voitures. Ah, j'ai perdu la main là, dis donc, depuis la dernière fois. Non, moi ça va, j'y vais au corps à corps, comme ça y a pas de soucis. Désolé, j'ai fait bouger ton personnage avant. Ah, ils se sont transformés en Zin. Où que c'est qu'ils sont? Ah, là. Voilà, il n'y a plus personne. Ah, portail. Oh, ça c'est pas bon ça. Look at that gold floating robot thing. I think it's controlling the security program here. Yeah, so? So if you catch the golden orb and shut it down, then the Zin should no longer see you as an immediate threat. Catch the golden orb? You know how stupid that sounds? No. Bon, Cal, faut attraper le globe doré. Ça te rappelle rien. Le globe doré? Ouais, normalement sur ta carte, t'as un espèce de truc qui se balade. Ah ouais, en effet. Et je te laisse essayer de l'attraper. Dans le sens où, comme toi tu fais pour la première fois... Ah, c'est le vif d'or! Bah oui. C'est le vif d'or. Une référence à Harry Potter. Et en fait t'appuies sur E pour l'avoir, une fois que t'es à côté. Allez c'est bon, je l'ai eu. Kinsey, I did it. Great. At least you have et à quoi ça servait? You're back now, so keep that in mind. Remember, this is only the beginning. If everything we're going to throw at Zinyak, he won't know what hit him. Pistolet dubstep. Pirater la planète terminée. On est trop quelle fort. Planète. Planète Zin. 3150 d'argent. Bon. Je suis pas passé niveau 16. Moi je le suis. Ah si, 16. Ouais, si, c'est bon, niveau 16. Aventure textuelle. Des chapitres de la vie de Zinyak ont été disséminés dans le style porte virtuelle. Récupère-les tous pour connaître l'histoire de Zinyak. Accède aux entrées collectées à partir de l'ordinateur de la salle des archives du vaisseau. Donc on les ramassera sûrement quand on aura l'amélioration pour les voir apparaître sur notre carte. C'est plus pratique. Statue de Zinyak. Zinyak a placé des statues un peu partout dans le style porte virtuel. Détruis-les pour gagner du cash et de l'expérience. D'ailleurs, on en a déjà détruit quelques-unes. Voilà, oui. Ah, j'avais pas vu que nous avons une sorte de truc Johnny Gat juste ici. Où ça? C'est bizarre, c'est quoi ce véhicule? Un véhicule Johnny Gat? La classe. Wow! Désolé. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, Johnny Gat crache du feu. Bon, du coup, je vais aller voir ce qu'il nous raconte derrière au niveau des quêtes.
Nouveau explosion, dégâts. Ouh, ça peut être intéressant ça. On a des On nouveaux a une. pouvoirs? On a une quête secondaire, explosion, dégâts en fait. Sprint vitesse 3, Attends. allez hop, je me le prends Non, moi. c'est pour débloquer l'élément pouvoir d'explosion, il me semble. Enfin, dégâts d'explosion. Sinon, on peut continuer la quête principale, percée. Attends, je m'améliore. Bah, elle est où l'amélioration? Ah, explosion recharge numéro 3. Allez hop. Bah. Voilà, j'ai toutes mes améliorations à fond au niveau des pouvoirs. Rejoindre la quête d'IT. D'accord. Rejoins le rift. Qu'est-ce que c'est? Le Rift, c'est un autre type de mission en fait. C'est un peu comme les nouvelles activités. Tu vois, c'est assez joli à regarder. Au niveau de la présentation, en tout cas, de l'activité. Voilà, nous y sommes. C'est parti alors. Il faut arriver au milieu si possible, c'est ça? Voilà, c'est pas si possible. Faut toujours essayer d'arriver au milieu de la plateforme. On peut passer une plateforme? Vaut mieux ne pas le faire, parce qu'en fait, si tu veux réussir à récupérer l'or. Je comprends rien, mais c'est pas grave. Je suis pas très doué personnellement. This doesn't seem dangerous. Why don't you do it yourself? My body has long since died. I implanted my consciousness into the main simulation computer many years ago. How can you open a gateway if you're dead? I cannot. That is, not unless you find me a physical, mobile form I can download my memory matrix into first. What, I just take your word for it? Unlike humans, I keep my word and pay my debts. Besides, you know you need me. C'était qui parlait là? C'est une intelligence artificielle, on sait pas trop qui c'est encore pour le moment. Par contre, je t'avoue, je comprends pas trop l'activité, moi, parce que chaque fois ça me marque qu'il n'a pas été assez rapide. C'est peut-être parce que t'es devant moi. Ouais. Oh là, j'ai raté la plateforme. Carrément. Bon, en fait, faut toujours essayer d'apparaître au centre, ça donne plus de 1000 à chaque fois. Et le but du jeu, bien sûr, là, ça va être d'atteindre les 106 250. Et il me reste à peine quelques secondes. Ah bah si, c'est bon, on les a eu. Et voilà, je suis arrivé au bout. Bah, pas moi. De toute façon, on a atteint l'or. On a atteint l'or, pardon. Alright, I jumped on the flashy lights. Now can you help me kill Zinyak already? My access code is 1331. Use it when you find me a suitable form. Bon, on va attendre qu'on sorte d'ici. Je vais essayer de te réexpliquer rapidement à quoi cela sert. Rift de plateforme terminé. Exactement. Bon, on a tout eu, c'est bien. Pas mal d'argent. Un petit peu d'XP. Rift. L'IA a caché d'autres rifts dans la ville. Trouve-les et accomplis les défis que l'IA a préparés dans ton journal de quête pour plus de récompenses. Donc explique-moi, parce que moi je n'ai pas tout compris, je t'avoue. J'aime bien les personnages buggés qui apparaissent à côté. C'est génial! Donc en fait, le rift représente encore une fois les activités comme nous en avons déjà croisées avant. C'est juste un petit peu différent, et là, ce qui se passait, c'est que nous avons... Je suis en train d'essayer de courir après le vif. Enfin, l'alien, quoi. Voilà, et là, dans cette mission-là, nous avions donc une intelligence artificielle à qui il va falloir trouver un corps. D'accord. Par la suite. Et en fait, l'activité, c'est juste un prétexte. Et, attends, il y a une activité coop, là, juste là. Et bah, je sais pas ce que c'est exactement, foire. Vas-y. Commencer l'activité chat et souris en coop. J'ai jamais essayé, c'est le seul truc que j'ai pas pu essayer puisque ça marche seulement quand on est à plusieurs. Commencez chat et souris. On va voir ce que c'est alors. C'est toi le chat, bonne chasse. Oh! Je suis le chat. À mon avis, je vais être contre toi, ça va être du versus, je pense. Il y a des chances, oui. Oh putain, c'est quoi ce truc? C'est toi dans le quad?
Ouais. Eh ben c'est moi qui te tire dessus. Ah d'accord, ok, super. Bon, j'ai de la chance que tu saches pas trop conduire. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai déjà enlevé la moitié de ta vie. Ah bon? Je la vois pas ma vie moi. Par contre t'as de la chance que je cherche pas trop viser surtout. Ouh, je te mets cher. Ah bon? Et je vais même pas goûter en fait. Oh punaise, je vais exploser, oui. Yes! Ah, c'était vite expédié. Je sais pas trop comment ça marche leur truc. Hein. C'est super galère. Ouh non, moi je vais moins me marrer. Ah, mais d'accord, on vole en fait. Oh bah, c'est simple dans ce cas-là. Bah oui, c'est trop simple quand t'es le vaisseau. Ah, mais surtout avec toi qui conduis, tiens. Alors attends. C'est vrai que c'est chiant de pas voir sa vie. Hein. Je trouve un tunnel. En fait, faut aussi viser légèrement en avance. Si on veut être tranquille. Ça, oh oh. C'était pas malin. Oh punaise, faut que j'aurais. C'est vrai qu'il faut réussir à le prendre en main un petit peu le vaisseau quand même avant. Ah, tu m'as fait perdre une roue. Salaud. <Ouais. rire> Et où est-ce qu'il y a un tunnel? Ah, mais on doit attendre une zone, j'ai l'impression. Oui, il y a des checkpoints à attendre. Je savais pas. Je t'ai eu? Non. J'ai forcé dans le mur. C'était magique. c'était donc en fait c'est même pas une activité, c'est une distraction. Ouais, c'est du versus. Bon, on va voir si ça met de l'expérience ou de l'argent, je sais pas. Non, ça donne rien. Non, ça donne rien, donc je vois pas trop l'intérêt. Ah, je vois que t'es en train de t'attaquer à des gens. Non, c'est eux qui m'attaquent techniquement. Moi je t'attaque au pistolet dubstep. Moi je t'attaque toujours au petit pistolet parce que c'est une efficacité extraordinaire, je trouve. Ah, un ami. Bien le bonjour, très cher. Mince, faut qu'on prenne l'habitude de ne pas les lancer trop en même temps. Ah, il est coincé sous la. Je balance. Ah bah, sans pire. Ah bah. Je te laisse balancer la prochaine fois alors. Ah, faut juste charger mon pistolet dubstep. Mince, y'a un flic qui m'ennuyait là. Allez, mais. Je lance. Ouais, c'est bien. Ah, enfoiré. Wow, oh, oh. Ça c'était beau. On les martyrise là quand même ces gars-là. Hein. C'est toi qui l'as fait. Oui, j'ai été plus rapide, c'est logique. Le mec en rajoute des couches. Et voilà. Zone d'action effacée. Alors, prochaine quête. Bon, j'ai pas de pouvoir améliorer. Par contre, j'ai plein d'améliorations en plus, donc je vais peut-être aller voir ce que j'ai. S'il y a enfreindre la loi, cette sensation brûlante, on continue la quête principale, hein, comme je l'expliquais, histoire de pouvoir débloquer les personnages dans l'objectif. Oula, punaise, dans les flics aux fesses, fais gaffe. Oh oh. Bah, je me casse, hein. Va au Broken Shillagog. Shillagog, je sais pas comment ça se prononce. Alors, attends, moi j'en profite aussi pour voir si je peux pas améliorer quelques petits trucs. Amélioration 3, combat. Do you have a place I can test this? Indeed I do. Oh non, je t'ai passé dessus là, j'ai raté un cluster. Faudrait que je fasse gaffe à mes sous. Bonus, y'a quoi? Ah, max de cash. Ah mince, il me manque 1000$ pour pouvoir l'acheter. Yeah. Wouhou! Voir, super sprint, vitesse 3. On était à 76 là, mine de rien. Y avait de quoi faire. T'es en train de te diriger vers la quête du coup? Ouais, j'y suis. Oh punaise, c'était assez loin. Je la lance? Ouais. In order to use this element, you will need to manually alter your power. Manually? Yes.
I have created this tutorial message to explain how to do so. Well, that's handy. F1. Appuie deux fois pour changer, d'accord. C'est pas super pratique, c'est loin quand même, F1, je trouve. Use your fire blast on those people. It will ignite anyone in the blast radius. I love action. Yeah, this would be great at a barbecue. C'est pratique, parce qu'après il brûle, t'as plus qu'à laisser se consumer, puis c'est fini. Ouais, ouais. C'est pas mal. Oups. Ça fait un peu apocalyptique là quand même, hein, le... Ouh, des vaisseaux. Ça fait un peu Dragon Ball Z surtout, ouais. More element types exist in this simulation for various powers. If you are able to find or create the code, that is. Thanks for the help. It is not help. Only repaying my debt. Now I will let you continue on your quest to find me the body you promised. Je préfère quand même celui de glace. Moi aussi. Je trouve même beaucoup plus pratique parce qu'en fait il a la capacité de fragiliser les ennemis, donc du coup en une balle on les tue, alors que là il faut attendre qu'ils brûlent. C'est pas forcément mieux quoi. Élément d'explosion, feu. Laisse s'exprimer le pyromane qui est en toi et fait pleuvoir le feu de l'enfer sur les ennemis. Appuie deux fois sur F1 pour changer rapidement d'élément. Tu peux aussi changer ce dernier depuis le menu pouvoir. Et voilà. Succès déverrouillé, les saints jumeaux. Ah. C'est joli. Alors attends, du coup, l'argent déjà, peut-être, pour récupérer. Nouvelle quête. Uh-huh. Attends, accepter, amélioration... j'ai vite dans les bonus si j'ai quelque chose d'intéressant. Voilà, max de cash. Et reste, je peux pas trop le prendre. Est-ce qu'on a gagné des nouveautés dans nos pouvoirs, nouveaux éléments et améliorations? Ouais, moi j'ai une amélioration. Recharge 3, élément d'explosion feu, donc recharge 3, j'achète. Et comme ça, je suis ok avec tout, je pense. Bah, c'est quoi la nouveauté dans les pouvoirs alors? Bon, j'ai pas compris. C'était juste le fait de pouvoir utiliser le feu en fait que ça te marquait. Ok, donc on fait encore la quête principale. Je vais te dire ça. Je regarde où ça en est. Réanimation vitesse. On a une quête secondaire de Kinsey qui la récompense et une explosion dégâts supplémentaires. Sinon, on a la quête principale. J'arrive jamais à savoir si explosion dégâts. C'est qu'on craint... Ah, on va peut-être faire les quêtes... On va d'abord terminer, je pense... Ah non. On va d'abord faire quête secondaire, jeu de pouvoir pour explosion dégâts par rapport à Kinsey. Dans le sens, ça va nous être très pratique, je pense, puisque je crois que c'est qu'on va moins... C'est une amélioration pour moins craindre les dégâts pendant une explosion. Mais ça reste à confirmer. Eh ben, on va voir ça. Allez, on doit rejoindre le vaisseau. Ouh, je vois un cluster. Ça attire, hein. Bah ouais que ça attire. Ah mais t'es déjà parti sur le vaisseau toi? Bah je vais vers la porte, ouais. Est-ce que je sais pas, ça me disait... Mince, j'ai renversé une bagnole qui a explosé, pas de bol. On vole vite en fait. Hein. Vite, vite, Oh, je pense qu'il y a mieux quand même. Attends, hop, je vois la porte. Retour au début de la vidéo, en fait. Voilà la porte. Je suis pas loin, j'arrive. J'en profite pour récupérer un cluster. Au pire, je sais pas si je suis obligé d'aller voir Kinsey aussi. Alors attends, fais voir. Mais bon, pour la peine, j'ai quand même déplacé. Ouh, attends, elle est où Kinsey là? Elle est en bas apparemment. Ça dépend, soit elle est en haut, dans le... à côté de la salle où on arrive. Soit elle est en bas, là où on l'avait rencontré la première fois. Comment on descend? Ah, c'est par là, il y a des escaliers. Voilà. Il y a des escaliers, moi je les vois pas, mais quel boulet. En plus, ils sont sacrément gros, quoi. Elle est là. J'ai besoin d'un stable environnement pour travailler de l'intérieur de la simulation. Il y a plusieurs choses que tu peux faire autour de Brixton, donc je peux le mettre. En plus, je devrais pouvoir créer un upgrade à ton blast avec ça. Sure, why not? Non, apparemment, c'est une amélioration de l'explosion de notre pouvoir, en fait. Ok, d'accord. Objectif rempli. Et normalement, si tu regarderas, il y a des chiottes aussi dans le vaisseau. Qui sont, quand on se prépare à sortir, sur la... gauche, je crois. Ouais, c'est ça. Des chiottes vachement stylées, quand même. On se croirait chez les Japonais, donc.
Allez, retour dans la simulation. La question, c'est qu'est-ce qu'elle nous a demandé de faire ? Implante le virus. Ah, c'est simple. Il va falloir tuer plein de gens. Pas changer. Vague 1, tuer 24 ennemis. On l'a coupé. Ouais. Non, non, en fait, l'explosion, c'est bien aussi. Hein. Ça se détruit les portails ou pas ? Oui. Si tu les gèles, généralement, tu les détruis beaucoup plus vite. Ah, y'a des scènes qui sont avec nous, c'est génial. J'adore les bagnoles qui dansent. Ouais, vive la dubstep. Voilà. Et en fait, quand tu les gèles, tu les détruis beaucoup plus rapidement. Ah oui, en effet. Bah, tu sais quoi, toi tu vas garder le pouvoir de glace et moi je vais garder le pouvoir de feu. On va si faire ça veux, comme ouais. ça. Et c'est d'une simplicité là. Ah, ils sont avec nous ceux-là, d'accord. Oui, c'est des sens. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Bah, on a dû prendre le contrôle de cette partie là du quartier. Ça fait très Terminator, je trouve, les. Il y en a un autre qui est apparu ici. Ah. Voilà. Encore un. Suivant. Encore un. Ouais, ce qui va en apparaître de toute façon au fur et à mesure comme ça. Vaut mieux laisser sortir finalement. Voilà. J'adore le pistolet d'upstep, c'est génial. Oula. Et voilà, fini. Injection de virus 1 sur 24. C'était encore une mission secondaire, donc enfin une activité. Ouais. Ah, je suis passé level 17, est-ce que j'ai des nouveaux trucs ? Ouais, non, rien d'intéressant. Alors, quête, c'est quoi qu'on doit faire après ? Pirate le Rim Jobs local. Ouais, c'est un truc de bagnole. Allez, je m'en occupe. Normalement, ça devrait pas être bien compliqué. Ça fait déjà deux fois qu'on coupe des dialogues, quand même. Ah mince, j'avais pas vu. Piratage terminé. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire ? Assassine le programme malveillant. Ah. One of the rogues in programs is messing with my data collection. Kill the program for me. Ah, clusters. Alors, laquelle est-ce ? Je crois que je l'ai trouvé. C'est une chiotte. Non, non, mais il y en a trois, et en fait, faut trouver celle qui n'est pas fausse. Et c'était la bonne, effectivement. Wow, c'est une chiotte. Je rêve pas. Ouh, la vache, ce qui m'a mis. Ouh, tiens. Je l'ai mis cher à la chiotte. Punaise. Wow. Attaque de corps à corps. Fais gaffe, parce que moi, je suis en train de crever. Hein. Ah, t'es là-bas. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah, t'es où ? C'est eux qui... Ah, oui. Voilà, merci. Oh, j'ai rien compris, là. Et il est parti où ? Il me faut de la vie. Tue les flics qui passent à côté pour ça. Pour être tranquille. Il est où, il est où ? Tiens ! Waouh, mais attends. Il y en a d'autres qui me balancent des super pouvoirs, malade. Eh, hey, mais il y a combien de chiottes, en fait ? Ça y est, hop, il y en a... Les autres cibles avaient disparu. Enfin, avaient disparu de notre carte, mais étaient bel et bien présentes encore. Ah, d'accord. Donc du coup, c'est elles qui nous tiraient dessus comme des malades et on comprenait pas d'où ça venait. Waouh, 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 toi tu as... Je schtroumpfais, non mais oh, et me redonner de la vie d'ailleurs. Oui, je viens d'éliminer au corps à corps. Stylé. Joli. Éliminer des chiottes au corps à corps, faut le faire quand même. Hein. Ouais, on va pas ça tous les jours. Ah, il y a un Gus qui est là-bas. Je l'ai eu. Nothing helps more than a little disruption to the Zin systems. See what sort of mayhem you can cause. Ah, mission KO. Ça sent bon ça. J'accepte. Qu'est-ce que ça va être? Ouais, c'est ça. Oh, this is always my favorite part. C'est quoi cette arme? D'accord. C'est l'équivalent en fait du lance-roquette là, mais. Du
tu lances Rocket version comment ça s'appelle extraterrestre. C'est quoi les paquets cadeaux? J'ai une idée. This is awesome. Seriously. C'est pas moi qui ai programmé le jeu, tu sais. D'ailleurs, ils expliquent les développeurs en fait que à la base ils voulaient rajouter des pouvoirs, mais ils se sont rendus compte très rapidement que forcément ça allait poser problème vis-à-vis des gangs originels, je ne sais plus. Dans le sens où forcément ça aurait été un petit peu ridicule de combattre les gangs tels qu'on avait dans les précédents Saints Row, et c'est de là qu'est venue l'idée des extraterrestres et le reste du scénario. D'accord. En fait, ils n'ont pas créé le scénario d'abord, c'est plus comme toujours un délire avant tout, puis ensuite une histoire qui est placée en arrière-plan. Ils font une histoire autour du délire en fait. Voilà, et c'est ce qu'ils expliquaient en fait dans les making-of justement, c'est que ils créent d'abord le délire, et puis une fois qu'ils se sont bien marrés, ils créent l'environnement qui va autour, tout se fait au fur et à mesure en fait. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de références et autres délires à la suite. Bah j'essaie de faire du chaos, mais c'est pas simple avec cette arme parce qu'il y a un temps de rechargement. Ouais, ça y en a atteint le... Je vais essayer de me rapprocher à une autre zone parce que là il y a plus grand chose. Ah mais mince. Ouh là y'a un truc. Bon il nous reste 6 minutes 25, ça devrait le faire quand même. Je sais pas. Au moins pour qu'on puisse finir l'argent je pense. Peut-être. J'ai un tank qui m'attaque derrière. Waouh. Punaise, je me suis pris une méchante baffe. Ouah, je brûle, mince. Je vais bien finir par crever, moi, si ça continue. Ah! Je prends les débris dans la tête. Ouah, ça y est, je suis KO. J'avais un tank contre moi, j'ai explosé le tank. Ah. Heureusement qu'on peut se déplacer aussi rapidement, qu'il n'y a pas à faire tout un détour en voiture. Merci, chef. Il n'y a rien par ici. Ou des barrières là-bas. Ah mais mince, c'est embêtant ce rechargement là. Puis en plus je t'ai fait perdre du temps avec le... Je vais aller me planquer plus loin. Allez, on peut le faire. Ça va être un peu difficile là quand même, hein. Non, on n'aura pas. Pas très loin, mais on l'aura pas eu, c'est dommage. Ah, quoique, peut-être que... Oh, oui joli, oh la gars. Vache joli. Oh, c'était limite, hein. Ouh, on l'a eu. KO terminé. Très joli, magnifique. De l'argent, de l'expérience. Ça, c'est bon, ça. Alors, est-ce que la quête est terminée? Toujours pas, non? Comment se l'injection du virus? Encore? Oui, ça va arriver souvent, ça. Ah, il y en a 85 trucs comme ça, donc... On allez, en vague, il y en a 3, c'est pendant toi. Que je télécharge ça. Ouais, mais des fois, ça ressemble à rien, les vagues, en fait. Ah. Mince. Oula. Vraiment, j'achète un lance-missile, moi. Ils sont où les ennemis? Bah vu qu'on les tue trop rapidement en fait ils mettent du temps à réapparaître. Wow wow wow. Ouais le combo glace plus après explosion ça marche bien hein. Ouais, ça a l'air d'être très efficace. Par contre faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus de balles de pistolet. Allez, prends ça. Oh, il y a un portail. Je vais arrêter un peu avec le pistolet d'upstep parce que les gens vont avoir marre de la musique à force. Voilà, il en reste plus qu'un à tuer, on a fini. Voilà.
Faut que j'aille dans une armurerie parce que j'ai plus de balles pour mon arme principale. Faut que j'améliore le pistolet dubstep. Ouais. Ah mais il y en a une jusqu'au bout là-bas. Enfin, juste rejoins Kinsey sur le vaisseau. Bah vas-y, moi je vais rejoindre Kinsey. Alors, acheter munitions, oui. J'arrive dans le vaisseau. Okay, that should give me a better gateway into keeping an eye on things inside Fake Steelport. Here's that upgrade I promised you. Thanks. Sweet. Explosion voilà. Dégâts, coup de froid, les dégâts sont encore plus importants sur les cibles gelées. Feu, les dégâts par seconde sont encore plus importants sur les cibles en feu. Contrôle de la pensée augmente le nombre de cibles pour être contrôlées en même temps. Mais celui-là, on l'a pas encore. Cool. Attends, je vais la reséduire un petit coup. Tu vas quoi? Je la séduis. Ah, d'accord. Oh bah, c'est la même animation. Toujours. Une fois que tu les as vus, c'est toujours le même truc. Je vais essayer dans la vraie vie, ça. Hey, salut, tu veux baiser? Ah oui. Mais je pense que moi je vais juste me prendre la torgnole. Pas ce qui suit. On sait jamais, écoute. Y'a pas d'autres gens à... Ah, j'ai pas assez d'argent. Y'a pas d'autres gens de l'équipage à séduire là, s'il te plaît? Pour l'instant, non. D'accord. Parce que là, la vidéo commence à durer, donc je pense qu'on va s'arrêter ici, Iti. Ah, j'ai pas vu qu'elle durait pour l'instant, donc si tu le dis, oui. Bah il est déjà... ouais si, ça doit tourner autour des 40 minutes là je pense. Oula oui, donc il est en temps qu'on s'arrête. Donc comme d'habitude on espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on s'éclate toujours autant à filmer ce jeu, je pense que ça se voit parce que c'est un super bon jeu. Avec plein de pouvoirs, tout ça c'est trop cool. Ah t'as trouvé un cluster. Ouais, je ramasse pour l'instant que tu termines. Et puis bah on vous fait des gros bisous et puis on vous dit... À très vite. À très vite pour la prochaine vidéo. Salut.